Des fortes gifles pour le régime d'Al-Hamadain, qui considère le soutien au terrorisme si groupe une stratégie claire pour déstabiliser la sécurité et la stabilité des pays arabes. Après la multiplication des opérations de lutte contre le terrorisme dans le monde, où les burtes du régime qatarais sont encore aggravées par la burte des dirigeants d'organisations terroristes. Hamza Bin Laden, l'office de l'ancien dirigeant d'Al-Qaïda, était l'une des personnes sur lesquelles le régime qatari barrait. Alors Tamim Bin Hamad a fourni tout le soutien possible à Hamza Bin Laden pour qu'il devienne le dirigeant d'Al-Qaïda. Mais les ambitions qatari ont été déjouées par les évolutions des événements. L'office d'Osama Bin Laden, qu'il a vécu dans la région frontalière entre le Pakistan et l'Afghanistan, a été liquidé dans le cadre d'une opération annoncée par certains responsables américains. Ce qui rendait le régime d'Al-Hamadain très triste. Aussi blancs malveillants se sont terminés par une opération exécutée par les forces américaines. Après la mort de Hamza Bin Laden, le régime d'Al-Hamadain n'a pas d'autre choix que de rechercher des dirigeants d'Al-Qaïda, loin du fils d'Osama Bin Laden, que son père avait recommandé d'aller au Qatar et d'y habiter, afin de bénéficier de la protection de Tamim Bin Hamad.